Nous faisons une reconstitution historique. La bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ, donc qui a opposé les armées romaines de Scipion à Hannibal et ses éléphants de combat. Le plateau fait 200 mètres carrés, donc ça nécessite des tables de différentes communes. 25 000 Playmobil parfaitement alignés sur 200 mètres carrés pour la reconstitution d'une bataille entre Romains et Carthaginois. C'est le défi relevé par Jean-Michel, le plus grand collectionneur au monde de ces petites figurines. Il y a eu un mois de préparation en famille, puisqu'il a fallu préparer l'ensemble des caisses avec exactement le nombre de figurants, puisque le Guinness Book est en cours de validation de cette exposition record. Donc il a fallu comptabiliser tous les bacs avant, les préparer, légion par légion, carthaginois par carthaginois. L'huissier est venu, il va revenir, et donc il va pouvoir valider ce record qui, au final, on n'a pas tout mis parce qu'on n'avait pas suffisamment de place, mais on a mis 25 000 personnages et animaux. Pour cette installation, Jean-Michel a fait appel à ses parents chargés de déployer les troupes. Bah, c'est minutieux, disons que surtout ces rangées de Romains là, qu'il faut vraiment bien aligner dans les deux sens. Et si jamais on en bouge un, c'est l'effet domino et là, on a tout à recommencer. Cette exposition record est à découvrir ce week-end à la salle des fêtes d'Erieux. Pour l'anecdote, elle ne représente qu'une infime partie de la collection de Jean-Michel, paraît-il beaucoup plus riche sur le thème médiéval.